pas hyper énergivore, un truc pareil? Grave. 15e jour de canicule, c'est du jamais vu pour un mois de juin. J'arrive pas à me faire l'idée, mais Paris, ce sera comme ça tout le temps maintenant. Faut partir, c'est pas possible de vivre là-dedans. Il faut penser à ce qu'on fera si on est au second tour. Jusque là, on était un peu superstitieux, on n'a pas voulu se projeter, et du coup, on est en retard. Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme. Avec un test de grossesse positive dedans. J'ai retourné le problème toute la journée, tout absurde. J'ai couché avec 4 filles dans les derniers mois, et à chaque fois, ok, il y a eu un risque. C'est toi? Je ferai jamais un truc pareil. À tous les coups, ce test, c'est une tentative de déstabilisation. Il m'envoie des menaces de mort. Ah bah, toi, tu reçois un test de grossesse. Il est soignante qui s'occupe de ton père? Tristan? Je suis pas enceinte. Je veux pas d'enfant. Ah bah, c'est quoi ce déguisement? C'est pour la pollution. Et les deux autres filles? J'ai mené ma petite enquête cet après-midi. J'ai fait un portrait robot de la fille du bar. Pas mal, hein? Tu te souviens vraiment de rien du tout? Et donc? Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Ça peut pas être elle, de toute façon. Mais arrête, arrête avec ta confiance d'épagnole. Excusez-moi, on cherche Pablo, vous la connaissez? J'ai rencontré des amis de Pablo. Oh, malheureusement, elle est pas là. Ce qui me terrifie, c'est de penser que je me suis comporté comme un type à qui on peut envoyer un test de grossesse anonyme en pensant que c'est une bonne idée. Pablo est rentré. Elle m'a demandé de la réveiller quand vous seriez là. Tu entends, Tristan? Tu entends la musique? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire? L'effondrement dont tu parles n'a pas encore eu lieu. Vous êtes tous des déçus de la gauche. Et vous ne croyez plus à la révolution.